90 minutes business, l'invité. Avec nous ce midi, José Luis Avila, directeur des opérations internationales chez Cambao. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. On parle ici de tourisme de luxe hein, ce midi dans 90 minutes. Cambao, c'est espagnol. À la base, ce sont des campings et il va y en avoir en France. Vous vous étendez en Europe. On parle de glamping. C'est quoi ? Du glamping, c'est le camping qu'on connaît, mais plus confortable. C'est du camping de luxe, donc des glamour et camping. Donc c'est là où le camping intervient. On met des tentes avec plein confort. Des clients qui avaient l'habitude d'aller à l'hôtel et qui aujourd'hui puissent arriver au camping avec tout le confort qu'ils ont trouvé dans un hôtel, avec des vrais lits et matelas très confortables et toute une tente entièrement équipée. Alors, en quoi c'est encore du camping ? C'est encore du camping ? C'est encore du camping parce que c'est des tentes. Oui. En fait, c'est des tentes qui ont un zéro impact dans l'endroit où on pose les tentes. Dans la nature, donc c'est très important pour nous respecter les espaces où on est implanté. Oui, c'est ça, vous avez obtenu le prix de l'innovation durable de BBVA catégorie tourisme. Effectivement, quand on parle de camping éco-responsable, vous agissez sur le matériel, sur les sites choisis, vous laissez les sites tranquilles une fois que la saison est terminée, si j'ai bien compris. C'est sur ces leviers-là que vous agissez en fait, en termes d'éco-responsabilité. Tout à fait. On utilise des espaces déjà existants, c'est-à-dire chez Cambao, on installe des tentes dans des campings existants, donc dans leur emplacement, et que ça nous permet de réutiliser leur espace. Ça reste du camping, c'est-à-dire les toilettes sont partagées, mais nous on amène ce côté de glamour, ce côté joli pour faciliter les choses. Et aussi nos tentes à la fin de la saison, on les récupère et l'endroit reste comme on l'a trouvé. Mais aussi pendant l'installation et pendant tout le temps que la tente ou le camping est ouvert, pour que vous voyez dans les photos, on respecte l'environnement où nous sommes. On pense vraiment aux arbres, aux plantes, aux animaux qui sont déjà dans les régions et campings. Donc là, vous avez choisi 7 sites pour l'été qui arrive, c'est ça ? Comment vous avez choisi ces sites au final ? Les sites ont été soigneusement choisis. En fait, la raison de Cambao est vraiment trouver des endroits avec plein beauté naturelle et dans des campings qui respectent la responsabilité durable et qui sont aussi proches de ces endroits pour que les familles puissent profiter. Ça va être une forêt, ça va être la plage, mais vraiment un endroit nature pour qu'ils puissent se réveiller avec les chants des oiseaux. Et vous passez des accords avec les campings sur lesquels vous vous installez, du coup, comment ça se passe ? Tout à fait. Nous avons 3 modèles. On fait la location des emplacements à la saison ou à l'année pour qu'eux puissent avoir vraiment capitalisé plus du prix qu'avant avait dans des emplacements. Nous, nous allons payer toute la saison. Mais aussi, on ne peut pas payer un loyer et on va aller 50% de revenus des gains des Cambao, on donne au camping. Quel est le prix d'une tente Cambao par rapport au positionnement des campings dans lesquels vous vous installez ? Ça monte le prix de combien sur une nuit ? Sur une nuit, c'est environ 60 euros. 60 euros, c'est très, très accessible pour un couple. Nos tentes, on a des tentes qui sont pour 2 personnes, mais aussi des tentes pour des familles. C'est important de garder les prix accessibles pour les familles aussi et pour tout le monde, en fait. C'est du camping. Et pour nous, c'est très important de garder cet esprit camping. Nous ne sommes pas un hôtel. Nous ne sommes pas un resort. Nous, on veut en fait faciliter à la place de que la famille arrive avec leur tente en plastique et tous leurs outils. On leur dit, on a dessiné ces tentes pour toi et c'est très accessible économiquement. Donc les sites en France, bon, en Europe aussi, c'est intéressant, sont prêts là pour la saison ? Ils sont presque prêts, les sites en France, ils sont presque prêts. Mais les réservations sont ouvertes. Les réservations sont ouvertes et ils arrivent au masse. On est très contents. Les gens sont passionnés par nos destinations à l'île de Ré, par exemple. C'est la destination qui est plus à haut d'attention. Et sinon, nous avons des destinations en Pays de la Loire. Nous sommes aussi dans la Nouvelle-Aquitaine. Donc, côté Pays Basque. Oui, Urugne. Urugne, exactement. Mais nous avons aussi dans le côté des Provence, par exemple. Donc, on offre différents types d'environnements pour nos touristes. Vous disiez tout à l'heure. Oui, Pierre, une question. C'est juste en France, nous ? Non. Nous avons plus de 85 sites. En Espagne, nous avons 70. On a aussi à Portugal et en Italie.
Qui sont vos clients particulièrement? Vous disiez que ça s'adressait aux clients des hôtels, par exemple. En Espagne, quel est le profil du client type de Campao? Bon, le profil du client type, c'est des gens qui allaient en hôtel. Donc, c'est des couples d'environ 25 à 40 ans et des familles avec des jeunes enfants. Parce qu'en fait, nous, on considère les enfants jusqu'à 17 ans, chose que ça ne se fait plus dans les hôtels. Oui, c'est vrai. Donc, pour nous, les grands enfants, ça reste des enfants. Et donc, on accueille les familles dans nos campings. J'ai lu que vous replantiez des arbres aussi dans cette démarche éco-responsable. C'est quoi cette action? Expliquez-nous. Bon, en Espagne, on a commencé à replanter des arbres pour pouvoir, nous, le bois qu'on utilise dans nos tentes, parce qu'en fait, on tient toute la chaîne de valeur. On produit nos tentes, la plupart de nos tentes, dans nos ateliers à Séville. Donc, avec le bois est provenant des labels sustentables, par exemple, du Rainforest Alliance. Et c'est là, en fait, où nous, on a commencé le projet de planter des arbres. On s'approche à deux associations qui les font aujourd'hui. Mm-hmm. On sait, par exemple, qu'ici, en France, il y a une association qui les fait dans le coin de Bretagne. Donc, on aimerait peut-être se participer pour pouvoir replanter des arbres dans des régions pour pouvoir continuer à avoir des espaces verts. Vous avez de la concurrence qui fait à peu près la même chose? Non. Non, il y a des entreprises qui posent des mobil-homes, qui posent des tentes, mais aujourd'hui, ils gardent l'idée de l'ancien camping. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est des espaces pas si confortables, c'est des espaces pas si beaux. Pour nous, on s'est dit de rester dans un petit appartement à Paris et partir dans une petite box à la plage, ben, ça ne change pas beaucoup. Nous, on leur permet vraiment de profiter en tente. On s'est dit, on est dans son tente, on crée les espaces vraiment avec beaucoup d'attention pour créer des expériences. C'est ça qu'on vend vraiment, c'est des expériences et c'est du simple camping. Et une tente de luxe qui permet aussi d'être éco-responsable. Ça répond à plusieurs demandes des voyageurs aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. Le power des fondations, le tourisme représente 8% de la production des effets de gaz à serre. Donc en fait, et aussi l'eau, c'est-à-dire la pluie, quand elle tombe, les constructions en béton ne permettent pas l'infiltration de l'eau. Nous, notre tente sans fondation, où il n'y a aucun de ces problèmes en fait, et on peut laisser la terre comme on l'a trouvée. Ça s'appelle Campao et vous pouvez trouver plusieurs sites, 7 sites en France cette année. Les réservations marchent très bien, donc dépêchez-vous. Merci beaucoup, Rosé-Louis Avila, d'être venu nous voir, directeur des opérations internationales chez Campao.